Salut à tous, comment vous allez? Alors, je résume ce que nous avons fait. Dans l'exercice, dans les trois derniers exercices. Dans l'exercice Gribouille, nous avons, grâce à notre enfant intérieur, amené énormément d'éléments sur la feuille, et nous avons dû composer avec ces éléments. Puis, nous avons fait l'exercice de la feuille blanche, où cette fois, il n'y a aucun élément, et on doit composer avec quand même. Et cette fois, nous allons faire un exercice, l'exercice inverse, l'exercice de la feuille noire. C'est-à-dire qu'il y a déjà tout sur cette feuille. Et il y a tellement tout qu'elle est noire. Complètement. On ne distingue plus ce qu'il y a réellement. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du syndrome de la feuille noire? Parce que maintenant, vous allez l'expérimenter. Imaginez que vous soyez paniqué parce qu'il y a trop de choses, trop de choses sur cette feuille. Eh bien, nous allons travailler dessus et nous allons utiliser pour cette fois, comme je vous l'avais dit qu'on allait utiliser dans un des exercices, une feuille noire, et nous allons utiliser la pastel blanche. La pastel blanche, nous allons l'utiliser comme si nous retirions des éléments, comme si nous avions une sorte de scalpel pour retirer de la matière, retirer des choses et pouvoir créer des vides et de cette manière faire que les choses soient distinctes sur notre feuille. Comme d'habitude, on va faire apparaître l'œuvre cette fois donc en retirant de la matière et on travaille en gardant bien en tête les plans, les rythmes, la répétition, etc. On peut graver plus ou moins profondément dans la feuille. Et ça, c'est le travail de la densité, du proche et du loin, comme on a déjà vu. Sur ce, je vous laisse travailler avec votre feuille noire et on se retrouve à la fin pour l'analyse.